Il a longtemps nargué la mort, comme ici à 300 mètres du sol, dans les gorges du Verdon. L'amour du risque, chevillé au corps. Il glisse un peu le monodoir, hein ? Patrick Edlinger aimait vivre à flanc de montagne. Tu as des périodes où tu as vraiment envie d'essayer des trucs durs. Et puis tu as aussi des périodes de récupération où tu te balades dans le vertical comme ça, c'est joli. Enfin, moi ça me plaît, c'est mon bureau. Dans les années 80, le grimpeur qui vit dans une camionnette devient le symbole d'un mode de vie. Il révolutionne sa discipline, pionnier de l'escalade libre. Des ascensions solo, sans matériel. Il faut avoir une super concentration et le moindre faux mouvement ou équilibre ou si tes bras tétanisent, bon, c'est la chute quoi. Une chute qui faillit lui coûter la vie en 95. À la demande de sa fille, il grimpait moins ces dernières années. Il est mort hier chez lui à 52 ans. Les falaises du Verdon sont orphelines. We'll be right back.
Thank you.